Les élèves des écoles d'enseignement technique ont déserté les classes ce matin à Ouagadougou. Ils ont manifesté dans les rues de la capitale pour exiger la satisfaction de leur plateforme dont le point saignant tourne autour de meilleures conditions d'apprentissage. Reportage Mokhtar Ouedraogo, Nathalie Savadogo. Ce mouvement, c'est le coordonnateur de l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, concerne les élèves des établissements techniques de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou, mais aussi de Gawa. Ils sont sortis pour réclamer la satisfaction des points de leur plateforme revendicative. Ou plutôt les questions essentielles concernent la matière d'œuvre. La matière d'œuvre dans les établissements d'enseignement technique. Il y a également la question des laboratoires dans les différents établissements. Il y a aussi la question des bibliothèques qui ne sont pas bien équipées ou que les documents sont dépassés. Et selon les élèves, différentes démarches sont demeurées sans résultat. Le jeudi 25, pour discuter avec lui, mais ça n'a été que du dilatoire. On nous a fait tourner. Je rappelle que la rencontre a eu lieu de 13h30 à 20h30. Il tourne à la fin pour dire que non, l'État n'a pas les moyens pour réaliser ça. Les élèves menacent de prendre en otage les moyens roulants du gouvernement si rien n'est fait pour améliorer leurs conditions d'apprentissage.